Oh là! Ouais, bon, c'est pas l'entrée la plus fameuse, mais enfin bon, c'est comme ça. Bon, j'espère que vous allez bien, mes petites quenouilles. J'espère que votre confinement se passe très bien également. Bon, j'ai pas mal de choses à vous dire. Tout d'abord, on va faire une petite chose importante. C'est peut-être un peu mieux comme ça. Comme ça, on me voit bien. Tu vois, je suis bien dans le cadre. Ah, Marzo! Ça, c'est énorme. Enfin, énorme. Demi-énorme. Parce que à la base, j'avais commandé trois colis et j'en ai qu'un. J'ai regardé, il y en a un perdu. Voilà, le gars. Je sais pas comment il s'est débrouillé. Pourtant, j'ai passé la commande en même temps. Les trois commandes en même temps. Lui, il a été reçu. Enfin, je l'ai reçu une semaine après. L'autre est parti dans les oubliettes et l'autre, normalement, devait arriver aujourd'hui, mais à mon avis, il aurait été tendu. Parce que, comme vous le savez, avec le confinement, Amazon ont pris grave cher. Ils ne livrent plus n'importe quoi. Donc, on va considérer ça comme une chance déjà d'avoir celui-ci. Et ben, on va l'ouvrir maintenant. On va y aller tranquille, mollo. Hein, présente les accessoires. Ce sont des accessoires parce qu'en fait j'avais commandé une caméra, une GoPro. C'est la fameuse GoPro malheureusement qui s'est égarée, qui s'est perdue pendant le voyage, donc je sais pas où elle est. Bon, j'ai quand même demandé le remboursement et heureusement. Donc ça, ce sont les accessoires en fait qui allaient avec la GoPro. Ça, ouais, c'est les accessoires qui me servent strictement à rien parce que ben, j'ai pas la caméra. Donc là, à partir de là, je ne peux rien faire. C'est une perche. Apparemment, ce serait une perche. Donc je peux même pas l'essayer. Je peux rien essayer. Ça va dans la voiture. Ou autre, hein, ça peut aussi se mettre sur une vitre, sur n'importe quoi, une ventouse pour poser sa caméra. Ça, c'est une ceinture dorsale. Pour pouvoir poser sa caméra, je ne sais où. Mais ça doit être ici, je pense. On la clipse ici. Ça va sur la tête. Voilà. Ça va sur la tête et pareil, la caméra doit se mettre ici, ici même, là, voilà. Et non, je ne le mettrai pas sur ma tête, je ne l'essaierai pas. Je ne le mettrai pas sur ma tête, c'est mort. One long angry line later. C'est ridicule. Bon, en tout cas, voilà, j'ai les accessoires, mais pas la caméra. Je dois aussi attendre une carte SD. Mais je l'ai toujours pas, donc voilà, j'ai que les accessoires. Quand je recevrai les autres colis, quand je repasserai commande, bon, bah, pas tout de suite, mais je sais pas quand, je l'ouvrirai, je l'ouvrirai. J'ai du mal à parler, moi, c'est incroyable. Je l'ouvrirai devant vous, je testerai également les accessoires, et puis tout le tintouin. Expression d'ailleurs de 1999, hein. Tintouin, ça veut dire tout le bordel en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression. Vous avez été nombreux à réagir aussi sur un mème que j'ai créé sur la moto, qui a fait, enfin sur une chute d'ailleurs qui a été médiatisée et puis ça a été une grosse polémique. Une grosse polémique. Et vous avez été très nombreux à réagir, hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici même. Je m'y attendais pas, franchement, ça m'est tombé dessus comme ça, et c'est énorme. Alors, beaucoup de rageux vont dire, c'est nul, c'est... Enfin,
Il n'y a pas beaucoup de vues, il n'y a pas beaucoup de likes, machin, nanana. Mais laissez-moi kiffer, non? Laissez-moi kiffer, c'est ouf. Donc merci beaucoup à vous tous d'avoir partagé, d'avoir liké, d'avoir commenté, tagué vos potes, etc., etc. C'était cool, ça m'a fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler des TikTok. J'ai fait une semaine de trêve, on va dire, donc je ne sais pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux, enfin surtout sur TikTok. Donc on va les voir ensemble. J'espère qu'on va trouver des pépites. Et voilà quoi. Let's go, c'est parti. J'adore. Ouais, il faudrait que j'essaye de le faire, mais à mon avis, ça doit être énorme. Enfin, je sais pas combien de temps tu mets pour faire l'effet, mais c'est ouf. Ma voix après un jour avec les mignons. Ma voix après une semaine avec les mignons. Ma voix après un mois avec les mignons. Banana, banana, oulala, banana, banana. Si vous ne connaissez pas Jesse Imitation, sa chaîne est en bas dans la description. Ce mec est énorme, donc big up à toi et continue à faire ce que tu fais parce que c'est oufissime. Je vous invite à aller défoncer sa chaîne avec les abonnements. Donc, Tintouin. Tintouin revient. Allez, c'est parti. Et concrètement, c'est quoi comme animal en fait? Alors là, mon vieux, je sais pas du tout. Si vous avez la référence, je vous invite à le dire dans les commentaires, parce que moi, honnêtement, je ne sais absolument pas ce que c'est. Hein, c'est bizarre comme animal. Elle est super grande, mon vieux. Truc de ouf. J'ai jamais vu ça. 2m5, facile. 1m90, c'est impressionnant. Elle arrive à toucher son plafond avec. Moi, simple, mais efficace. Yes. C'est énorme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une référence aux zombies qu'il y a dans le Black Ops, le 1, où tu ouvres une caisse avec ton argent que tu as pu gagner pendant le cours de ta partie, et puis bah, tu ouvres une caisse et puis ça te donne une arme aléatoire. Franchement, l'idée est ouf et bien trouvée. C'est trop bien fait. Faut que j'essaye, moi. C'est énorme. Je suis désolé, mais Squeezie, c'est pour toi. Attendez, je vais le taguer. Je vais le mettre. Bon, je sais pas s'il va me répondre, mais s'il me répond, ça serait ouf. Thank you.
C'est quoi cet engin, mon vieux? C'est ouf, mon vieux. Et vous imaginez, enfin, ça existe déjà, mais je veux dire, dans 40 ans, ça m'étonnerait même pas de voir des motos après quotidiennement se balader comme ça, comme si de rien n'était. Enfin, c'est ouf, évolution. J'ai pas tout compris. C'est trop classe. Attends, j'essaye. Honnêtement, on va bien voir dans le montage, hein, si c'est bien fait. Mais si c'est pas bien fait, bah tant pis, je la garderai. Ça sera pas coupé au montage. Putain, et j'ai une tignasse, mon vieux, et vivement que les coiffeurs reprennent. Hein, parce que là, ça va plus. Hein. Et de ce côté, on dirait une fille. Cassandra? Oui. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ici, à mon Instagram. N'hésitez pas à venir me suivre, hein, parce que bah, je poste souvent des petites choses dessus. Et ici, bah, y a mon TikTok. Voilà. Si vous voulez venir me suivre sur TikTok, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube, à liker si vous aimez, hein, si vous kiffez. En tout cas, avec le confinement, prenez toujours soin de vous un maximum, sortez que si c'est nécessaire. Pour certains qui ont rembauché, parce que bah, comme mon cousin, hein, il a rembauché sous peu, tous ces gens qui ont rembauché, voilà, je vous souhaite énormément plein de courage, faites attention à vous, prenez soin de vous, et puis voilà, hein, faut rester solidaire de coûte que coûte dans ce moment difficile, et puis voilà, c'était mes derniers mots. Allez, à la prochaine, ciao.